Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je te fais une petite vidéo sur Booba, car demain il sort un son qui s'appelle 6G. Bref, Booba, en 2002, si je dis pas de bêtises de mémoire, avec Kaina Samet, il a sorti un son qui s'appelle Destinée. Un excellent son, parfait, un classique, comme il en a sorti des dizaines et des dizaines. Dans ce classique-là, qu'il a posé avec Kaina Samet, je me répète. À un moment donné, il dit quoi? Il dit « Je suis d'humeur palestinienne ». Ouais. Et ben depuis le 7 octobre, il a prouvé qu'il était d'humeur palestinienne. Il porte ses coronets. Je suis désolé de le dire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage qui est Booba. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas sa musique. On est obligé, forcé de constater qu'il porte ses coronets, qu'il les pose sur la table et qu'il en a strictement rien à faire des conséquences. Tu veux une preuve? Quand le conflit, il y a 2 ans, a explosé entre la Russie et l'Ukraine, Booba à cette époque et l'égérie de Puma, quand le truc a explosé et que Puma s'est retiré de la Russie, soi-disant pour soutenir les bleus et blancs, là, les jaunes et bleus, là, et ben il a pris son contrat, tu vois, qu'il avait avec Puma. Hop, il a fait un post Instagram, un post Twitter à l'époque, et il a dit voilà. Voilà, moi je me casse de ça, moi je m'associe pas avec ces gens-là, je m'associe pas à ces images-là. Tu vois, 2 ans plus tard, depuis le 7 octobre, il y a un conflit qui se passe. Et ben, il a reporté ses coronets. Tu me diras, ouais, c'est facile ce qu'il fait, c'est le business, c'est du marketing. Que ça soit calculé ou pas calculé. Qui pense à ses intérêts aussi, qui pense à de l'argent aussi, je m'en fous en fait. Tant bien lui fasse que ça lui rapporte énormément d'oseille. Franchement, ça lui rapporte de l'oseille. En attendant, lui, avec l'aura qu'il a, avec les millions et les millions de personnes qui le suivent, avec les millions de pirates qui le suivent, il ouvre sa gueule. Parce que lui, malgré tout, une fois de plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a une force de frappe, Booba. Il ouvre sa gueule. Et par rapport à cette force de frappe, par rapport aux millions de personnes qu'il peut toucher en faisant des posts, en faisant des sons, des clips, ce que tu veux, il pourrait faire comme tous les autres hypocrites, tous les autres rappeurs, tous les autres artistes, chanteurs, comiques, tout ce que tu veux, acteurs, qui ferment tous leur bouche parce que eux, contrairement à lui, pensent vraiment pour le coup à leur propre intérêt et c'est pour ça qu'ils ferment leur bouche et qu'on n'entend pas un seul ouvrir leur bouche. Si, il y en a un, et je le respecte, et j'avais fait une vidéo là-dessus pour lui apporter tout mon soutien, enfin mon tout petit soutien, ma petite échelle, c'est Malik Bentala. Voilà, ça c'est des artistes que je respecte. Parce qu'ils pourraient fermer leur bouche, penser à leur business, à leur carrière, entre parenthèses. Ben non. Ils portent leur coronets parce que là, il se passe quelque chose de cataclysmique. C'est un G-No-Si-2. T'as compris, c'est pour l'algorithme et la censure. Voilà. Qu'on aime sa musique ou pas. Et d'ailleurs, en tant que rappeur homme, sur ces 30 dernières années, et tu me diras, le rap, ça fait à peine 40 ans en France, tu vois. Mais sur ces 30 dernières années, pour moi, c'est le meilleur. Il a posé des dizaines et des dizaines de classiques. Alors, chez les hommes, pour moi, Booba, c'est le meilleur, c'est le patron. Il est loin devant tous les autres. Il a 10 ans d'avance. Comme pour Diams, à l'heure actuelle, chez les femmes rappeuses, personne n'a dépassé Diams. Diams, c'était la maître. C'était la maîtresse, c'était la reine, la princesse, ce que tu veux. C'était leur grand-mère, c'était la grand-mère du rap français, comme elle disait. Bref, des gens qui ont une bouche, qui peuvent atteindre un bon nombre de personnes et qui se servent de leur micro pour atteindre ce bon nombre de personnes, tu vois. Donc, pour tout ça, je respecte Booba, tu vois. Il y a des moments dans sa carrière que je ne respecte pas. Chacun ses goûts. Mais en tant que rappeur, il est très fort. Il a été très chaud à l'époque de Lunatic. Bref. Je ne vais pas refaire sa discographie. Voilà les classiques. Mais en tant qu'homme et en tant que cœur, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Ouais, mais Booba, c'est un satanique. Ouais, mais Booba, nanana, il a des genoux. Ouais, mais Booba, il fait des invocations. Ouais, mais c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, j'en sais rien. Et ça, limite, je m'en contrefiche. C'est sa vie. C'est Dieu qui juge. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est personne. En attendant, avec sa bouche et avec les moyens qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire les réseaux sociaux,
sa musique, il touche des millions de personnes et il fait passer des messages. En tout cas, lui, il ferme pas sa bouche. Et pour ça, grand respect à Monsieur Booba, tu vois. Certainement qu'il regardera jamais cette vidéo. C'est pas grave, je m'en fous, je le fais pas pour lui. Je le fais pour moi, tu connais, je donne souvent mon avis sur les choses. Et là, j'aime bien. J'ai vu passer ça sur X, je vais te conclure la vidéo là-dessus. Le truc là, ce que je t'ai fait passer derrière, j'ai dit, intéressant, tu vois. Je kiffe, parce que ces derniers temps, il envoie beaucoup de punchlines, il dit beaucoup de choses qui sont réelles. Ouvrez les yeux, bordel. Ouvrez vos putains de yeux. C'est pas en se bloquant nous-mêmes qu'on va changer les choses. C'est pas en se faisant chier nous-mêmes, en se sabotant nous-mêmes, qu'on va avancer les choses. C'est en allant les saboter, eux. Ceux qui nous dirigent, ceux qui tirent les ficelles. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. C'était histoire de donner mon avis sur le son qui sort de Booba demain. Si j'ai, j'espère qu'il va être bien. Je pense qu'il va être bien, c'est sûr. Il va envoyer des punchlines, c'est certain. C'est Booba, voilà. Il se cache pas, il s'est jamais caché. On peut lui reprocher des choses, mais voilà. Enfin bref, chacun son avis. Tu me donnes le tien en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao. Et n'oublie pas, je suis d'humeur palestinienne. Enfin, je déconne.